Alors, merci de me réinviter ce soir. C'est toujours un privilège pour moi de m'adresser à une audience de la qualité intellectuelle que vous êtes. Merci aux deux Michel, Vérard et Pion là, pour leur support. La conférence devait avoir lieu le 20 octobre, dis-je, mais à cause de la COVID, on a reporté ça à ce soir. Le sujet de la conférence, c'est vers l'abrutissement de l'espèce humaine, qui est le sujet de mon dernier livre. Je vous rassure, ce n'est pas un lancement de livre, mais l'objet de la conférence est le même thème que le livre. Donc, en fait, il y a six thèmes. Six thèmes qui, a priori, n'ont pas tellement rapport l'un avec l'autre. Le retour de l'intégrisme religieux, le conspirationnisme, le climato-scepticisme, la théorie critique de la race, mieux connue sous l'idéologie woke, l'idéologie du genre et, dans les chapitres, obésité, végétalisme et autres troubles alimentaires. On aurait pu écrire un livre sur chacun de ces chapitres-là, bien entendu. Puis d'ailleurs, j'ai écrit un livre sur le sujet du chapitre 1 et sur le sujet du chapitre 6. Je ne suis pas un expert de l'identité de genre, puis je ne me sens pas compétent pour écrire un livre au complet sur le sujet, mais il faut comprendre ici que la valeur ajoutée de mon livre, c'est de faire une connexion entre six sujets qui, a priori, n'ont pas de rapport les uns avec les autres. Mais je vais garder un certain suspense, donc je vous révélerai le filon conducteur ou le dénominateur commun, si vous voulez, rendu à la conclusion. Donc, je parlais de livre, justement, ça c'est mon premier livre que j'ai écrit il y a déjà 20 ans, « Le temps passe vite », qui concerne le chapitre 6 de ce soir. Et ça, c'est mon deuxième livre, dernier livre, pour que je suis venu présenter aux humanistes, il y a 2 ans, qui concerne le chapitre 1. Alors, introduction, eh bien, ce que j'observe en regardant l'histoire de l'humanité, en tout cas l'histoire connue, sûrement qu'il y a des grands bouts de l'histoire de l'humanité qui ont disparu, mais pour ce qu'on sait, c'est si on regarde les statistiques de pauvreté, de violence, de racisme, de sexisme et même de maladie, on réalise que c'est vers la fin du 20e siècle que l'humanité s'est le mieux portée. Malheureusement, depuis le début du siècle courant, les choses ont commencé à déraper. Alors, mes 6 chapitres, finalement, c'est 6 dérapages. Et donc, vous aurez deviné, bon, sur la page couverture de mon livre, il y a 2 individus, là, un qui représente l'extrême gauche, l'autre qui représente l'extrême droite. Dans les 3 premiers chapitres, j'attaque l'extrême gauche. Dans les 3 derniers, j'attaque l'extrême droite. Je les ai mis partout, finalement. Alors, premier chapitre, le retour de l'intégrisme religieux. Qui l'eût cru? Les philosophes du siècle des Lumières doivent se retourner dans leur tombe. Eh bien, c'est de retour. C'est de retour avec l'islam. Ça, c'est une photo prise à gauche des années 70 à Kaboul, en pleine capitale d'Afghanistan, et à droite, une photo qui date de 10 ans, dans la même capitale. Une autre photo ici dans une institution d'enseignement en Algérie, assez pathétique de voir l'évolution. L'évolution, en fait. La décadence, faudrait dire. Et il est arrivé un événement qui n'est pas passé inaperçu récemment dans les médias, qui nous donne une petite lueur d'espoir. Je rappelle toujours aux gens qu'en 1917, à peu près, l'Iran avait passé une loi qui interdisait carrément le port du hijab dans la rue. Oh oui, le Canada ne s'est jamais rendu jusque-là, là. L'Iran, vous avez bien entendu. Et là, où on en est rendu? Une femme, parce qu'une mèche dépasse de son hijab, on l'incarcère. Les droits humains sont grandement dégradés. Mais il y a une révolution depuis ce temps-là. Il y a 5 personnes qui ont été condamnées à mort hier pour avoir manifesté. Puis ça continue à se dégrader, mais il y a une petite lueur d'espoir. Le problème, c'est que ce n'est pas juste l'islam qui dérape. La chrétienté dérape aussi. La droite religieuse américaine dérape, solide. Vous êtes au courant que maintenant, il y a 6 juges conservateurs à la Cour suprême des États-Unis. Trump en a fait élire 3.
Et puis, ils n'ont pas perdu une seconde hein, pour renverser une décision, la fameuse décision de Roe versus Wade des années 70 qui décriminalisait l'avortement. Puis, tout de suite après, il y a plein d'États, des États de la Bible Belt, se sont empressés de criminaliser l'avortement. Fait qu'aujourd'hui, vous avez même une prime, une rançon de 10 000 $ si vous dénoncez votre voisine parce que vous apprenez qu'elle va se faire avorter. Puis, si vous êtes le chauffeur de taxi qui accompagne votre voisine à la clinique, lui aussi, il est accusé au criminel. Puis, le médecin qui l'aborde est accusé au criminel aussi. C'est là qu'on est rendu. On est de retour au Far West avec les rançons. Évidemment, comme je fais valoir dans mon dernier livre, l'altruisme, la générosité, l'empathie, puis tous les autres dissentiments humains, là, rien à voir avec Dieu. Ça a à voir avec la sélection naturelle. En fait, un être humain, il faut se le dire, tout nu dans la nature, là, ses chances de survie ne sont pas très élevées. On est fort parce qu'on est en société, à cause de la technologie. La technologie, c'est un phénomène social. Alors, donc, c'est normal que la sélection naturelle ait développé chez nous des aptitudes sociales. Alors, l'empathie, la générosité, tout ça, ce sont des aptitudes sociales. Puis, ces aptitudes-là ne sont pas exclusives non plus aux êtres humains. Évidemment, on les retrouve principalement chez les êtres humains. Mais il y a des primatologues comme Franz De Waal, par exemple, qui a observé des comportements d'empathie chez des chimpanzés et d'autres animaux. Bref. Là, je prêche auprès de convertis. Vous connaissez la solution Québec au problème de l'intégrisme. C'est la loi 21 qui se fait attaquer à l'heure actuelle. Alors, restons solidaires. Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus parce que je sais que je prêche auprès de convertis ici. Donc, chapitre 2. Le conspirationnisme. La théorie du complot, c'est pas nouveau. Hein? Ça fait depuis belle lurette que des gens pensent que la Terre est plate. Qu'un bédouin dans le désert pense ça il y a 1000 ans, c'est pas un problème mental. C'est compréhensible. Quand tu es à chameau, la rondeur de la Terre est moins évidente qu'en avion. Mais qu'aujourd'hui, au 21e siècle, des gens pensent encore que la Terre est plate, oh boy, on a un petit problème ici. Ou qui pensent que Apollo 11 puis l'alunissage est une mise en scène de Hollywood, ça aussi, c'est inquiétant. Mais ça restait relativement marginal comme phénomène. Mais là, avec la pandémie, le conspirationnisme a explosé. Alors, évidemment, il y a le phénomène qu'on connaît, hein, le fameux convoi des camionneurs sur Ottawa. Bon, et, écoutez, un camionneur, avec tout le respect, que je peux comprendre qu'il y a certaines principes de virologie qui ne saisit pas. Mais ce qui est plus inquiétant encore, puis je suis sûr que ça s'applique à vous, c'est que j'ai dans mon entourage des gens intelligents et éduqués, et même avec une éducation médicale, qui ont embarqué dans le délire conspirationniste anti-vax. Ça, c'est plus inquiétant. C'est comment ça se fait qu'une personne qui a les connaissances nécessaires pour comprendre la virologie, qui a l'intelligence, embarque dans ce délire-là? Bon, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas critiquer de la façon que le gouvernement a géré la pandémie. C'est pas ça que je suis en train de dire, là. Je dis juste de croire que les vaccins causaient plus de décès qu'ils en sauvaient. Ça, c'est du délire. Alors, je me suis questionné là-dessus, puis j'ai assisté à une conférence de Thierry Ripoll, qui était donnée aux humanistes, puis j'ai trouvé très intéressante. J'ai lu son livre après, puis après ça, j'ai lu des livres auxquels il se référait. Et là, j'ai compris que finalement, l'explication de la foi était très proche de l'explication du conspirationnisme. C'est le même phénomène mental qui se produit. Aux États-Unis, ça a donné des résultats encore plus inquiétants. On a attaqué le Capitole. On a cru, il y a encore 15 % des républicains aux États-Unis qui pensent que la dernière élection a été volée à leur parti. Et puis, c'est assez inquiétant. QAnon, je ne sais pas si vous connaissez cette organisation-là, c'est des gens qui pensent que les démocrates sont des pédophiles qui agressent des petits-enfants et qui boivent leur sang pour une substance qui s'appelle, j'oublie tout le temps le nom, je me suis marqué, adrénochrome, une substance qui serait dans le sang des enfants qui leur permettrait de rester jeunes. Hey, on délire fort, là. Mais il y a plein de gens qui croient ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai schématisé en ingénieur le phénomène. OK?
On a tous dans notre tête deux types de pensées. Une pensée intuitive et une pensée analytique. La pensée intuitive nous provient d'autrefois. En fait, on la partage avec les animaux. Puis la pensée analytique, elle s'est développée, c'est dans le néocortex, c'est une pensée qui s'est développée plus récemment. Et ça prend les deux pour fonctionner, parce que l'intuition, vous l'aurez deviné, vient de la pensée intuitive, donc la création, l'inspiration, etc. Puis la pensée analytique est là pour... Les bonnes idées viennent de la pensée intuitive, mais les mauvaises aussi. Et c'est la pensée analytique qui fait le tri entre les bonnes et les mauvaises idées. Donc, c'est important que les deux pensées fonctionnent. Mais qu'est-ce qui se passe quand un individu subit un stress? Puis Dieu sait qu'on a tous subi du stress durant la pandémie. Bien, ça déséquilibre les plateaux. Ça augmente la pensée intuitive. La pensée intuitive prend tout à coup plus de place que la pensée analytique. Et ça, ça l'entraîne le phénomène qu'on appelle l'apophénie. Je vais revenir à ça, l'apophénie tantôt. Il y a un deuxième phénomène, c'est que le stress, l'anxiété, la peur aussi, diminue la tolérance à l'ambiguïté. C'est quoi la tolérance à l'ambiguïté? C'est que on ne peut pas tout savoir. Hein? Vraisemblablement, il n'y a pas personne qui sait tout, mais ce n'est pas une raison pour ne pas vivre. Donc, on doit accepter de fonctionner dans la vie ne sachant pas tout. La plupart des gens conduisent une auto sans savoir comment le moteur marche. Puis, ce n'est pas grave. Ils sont capables d'utiliser leur auto pour se rendre à bon port. Mais quand même, pour bien survivre dans cet environnement-là, ça prend une certaine tolérance à l'ambiguïté. Il faut accepter qu'on ne comprend pas tout. Bon. Malheureusement, cette tolérance à l'ambiguïté-là, elle diminue sous l'effet du stress. Et c'est les conditions qu'on a rencontrées avec la pandémie. Ces deux phénomènes-là combinés ont augmenté l'apophénie. Puis l'apophénie, qu'est-ce que c'est? C'est de faire des connexions là où il n'y en a pas. Je pense toujours à l'exemple d'une de mes tantes qui a acheté un micro-ondes une journée, puis qui a eu mal aux dents cette journée-là, bien, elle a retourné le micro-ondes. Elle est convaincue que le micro-ondes donne mal aux dents. T'sais? En scientifique, on dirait N égale 1. Hein? Voilà. Alors, à quelque part, la foi religieuse, c'est un petit peu ça. On est anxieux de savoir qu'est-ce qui se passe quand on meurt. Pourquoi qu'on est ici? Ça prend une fichue de tolérance à l'ambiguïté pour accepter ça. Alors, le religieux règle son problème de même. Il adhère à des théories, à des fabulations. Ça lui permet de mieux se sentir. Bien, le conspirationniste fait la même chose. Climato-scepticisme. Alors, j'ai dit tantôt, les trois premiers chapitres, j'attaque la droite parce qu'on retrouve la plupart du temps, je ne dis pas qu'il n'y en a pas du côté gauche, mais la plupart du temps, les climato-sceptiques sont du côté droit. Parfois, ils sont en conflit d'intérêts aussi, là, mais au-delà de ça, ils sont du côté droit. Quand on écoute le discours de la droite religieuse aux États-Unis, puis en Alberta notamment, à les entendre parler, ça n'existe pas le problème climatique. En haut, ça c'est une photo de l'été passé en France, qui a connu un été absolument infernal au sens propre du terme. Puis en bas, ça, c'est une photo de l'île Bizarre il y a quelques années à Montréal. C'est pas de la fiction, là, c'est des choses bien, bien concrètes. Là, les gens commencent à allumer. Ça fait... Le problème du réchauffement climatique, ça peut être assez théorique pour bien des gens. Mais là, là, récemment, quand la nature, entre guillemets, commence à envoyer des signaux qui sont plus très subtils, là, tu sais. Cette courbe-là, elle est claire. Il y a une corrélation directe entre le taux de CO2 dans l'air, en ppm, et le réchauffement climatique. Pas besoin d'un PhD en statistique pour comprendre cette courbe-là. La réponse, elle est claire. Mon point que je veux faire, c'est que le problème de l'environnement n'est pas technologique. Les solutions technologiques existent. Ça ne me stresse même pas. Le problème, il est politique. C'est la démonstration que je veux faire. D'abord, je veux m'attaquer à la gauche, pour commencer. Les petits gestes. Hein? Épargnez vos sacs de plastique à l'épicerie. C'est un petit geste. Je déteste les petits gestes. Vous savez pourquoi je déteste les petits gestes? Parce que les petits gestes, ça ne donne rien.
Mais ça a le malheur de donner bonne conscience. Puis quand on a bonne conscience, ben on ne fait pas les vrais gestes. Ce n'est pas des petits gestes qu'on a besoin, des vrais gestes. Fait qu'oubliez les petits gestes. Puis soyez complexés au point que vous allez finir par voter par celui qui a un meilleur programme environnemental. Genre, fermer ses lumières en hiver. Ben, je suis désolé, là, mais au Québec, à moins de chauffer qu'une thermopompe, fermer une lumière ne sauve aucune énergie. Ça, je peux vous le prouver, c'est de la thermodynamique. Là. Ça, c'est mon domaine. Alors, c'est un petit geste en plus qui est inutile. Ne pas réchauffer. On a eu un maire à Montréal qui a eu l'idée géniale de donner des contraventions aux gens qui faisaient réchauffer leur moteur en hiver. Écoutez, dans un auto, là, il y a un convertisseur catalytique qui diminue de beaucoup les NOx et les SOx qui sortent de l'échappement. Ça, ça fonctionne quand c'est chaud. Alors, ne pas réchauffer son moteur en hiver est 100 fois plus polluant que de le réchauffer. Une autre aberration. La densification urbaine. T'écoutes le discours de gauche, là, on va tous s'empiler dans des centres-villes, dans des tours de béton. Non, je n'y crois pas. Parce qu'un centre-ville, même bien pensé, ça ne sera jamais écologique. Une banlieue peut l'être. Une banlieue a le potentiel de l'être. Je ne dis pas que nos banlieues le sont, là, mais je dis qu'une banlieue a le potentiel de l'être, parce qu'un centre-ville, ça ne sera jamais écologique. Et finalement, le véganisme. Il y en a beaucoup qui vous disent, ben, arrêtez de manger de la viande, parce que pour l'environnement. La première solution évidente, c'est de plafonner la population terrestre. Je ne suis pas en train de dire qu'on va faire comme Mao Tse-tung, puis on va limiter naissance, mais on peut-tu au moins arrêter de donner des subventions rendues au troisième enfant? Est-ce qu'on peut au moins arrêter de donner des crédits puis des prestations familiales rendues au troisième enfant? Ce serait déjà un début, là. La planète n'est pas infinie. Là. On est 8 milliards. Hein? On est passé à 8 milliards il y a 2 semaines. Puis si ça continue de même, regardez en 2100, on va être rendu pas mal nombreux. Et l'autre solution, puis c'est là que je fais sourciller les gens, selon moi, la solution, elle est fiscale. La solution à l'environnement, elle est fiscale. Parce que la bonne éducation, la bonne volonté des gens, ça a ses limites. Mais quand tu touches leur portefeuille, et ça, c'est efficace. Ce que l'éducation ne fait pas, la main invisible de l'économie s'en charge. Essentiellement, le principe, c'est le suivant. Puis on pourrait l'appliquer à tout, là. C'est-à-dire que quand il y a un bien de consommation, vous vous assurez que via les taxes, que le coût de ce bien de consommation-là prenne en compte, en amont et en aval, son empreinte de carbone. À partir du moment où vous faites ça, là, vous réglez le problème. Parce que là, Gino, s'il veut s'acheter un gros 4x4 VUS 8 cylindres pour impressionner ses copains, il n'y a plus de problème parce qu'il va payer son essence à un prix tel qu'il paye d'avance pour décarboner l'atmosphère. Même chose pour l'électricité. L'électricité, on dit, bon, au Québec, on fait l'électricité avec l'hydroélectricité, c'est génial. C'est vrai que c'est pas mal mieux que d'utiliser du gaz ou du pétrole pour faire l'électricité, mais il faut garder à l'esprit, par contre, que c'est pas carboneutre non plus, dans le sens que ça cause des problèmes dans le Grand Nord, des problèmes d'inondation, des problèmes de mercure, etc. Mais on s'entend que ça demeure encore la forme d'énergie la plus écologique. Mais vous savez, une centrale au gaz pourrait être carboneutre facilement. Il suffit de prendre l'échappement, puis d'absorber le CO2 à l'échappement, puis de l'enfouir. La technologie, elle est là, là. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il y a un coût. Maintenant, c'est quoi ce coût-là? Je l'ai calculé pour vous. Je le cherche. Alors, c'est l'avant-dernier paragraphe. Une taxe de 300 $ la tonne. Puis en passant, au Canada, on est rendu déjà en 2022 à 50 $ la tonne pour la taxe sur le carbone. Mais si la taxe était à 300 $ la tonne, ça voudrait dire une hausse de 80 cents le litre de l'essence. C'est pas bien loin de la hausse qu'on a vécue récemment avec la pandémie pour des raisons d'offre et de demande. Puis pourtant, il y a encore plein de trafic. Hein? Moi, je me suis venu ici tantôt, puis il y avait du trafic là, de l'île des Sœurs jusqu'au centre-ville. Là, c'était bien plein de trafic. Pourtant, l'essence coûte cher. Est-ce que vraiment on mettrait l'économie à terre d'augmenter 80 cents le litre? Et pourtant, si on faisait ça, Shell et compagnie, puis d'ailleurs, cette idée-là vient de Shell. Shell l'a proposé au gouvernement canadien. Elle a dit, regardez, on va faire un deal avec vous autres. On va vous vendre l'essence, là.
Puis pour chaque litre d'essence qu'on va vous vendre, on va absorber dans l'atmosphère la quantité équivalente de carbone. Fait qu'après ça, vous allez pouvoir prendre votre auto, aller polluer, dégager du CO2, mais elle est déjà préabsorbée. Sauf qu'il y a un coût à ça. Et si le gouvernement charge la taxe, à ce moment-là, avec le crédit de taxe, Shell rentre dans son argent. Bon, et on peut appliquer ce principe-là à plein d'autres choses. À la production d'acier, à la production de béton, parce qu'en passant, ça consomme, ça a une empreinte carbone beaucoup plus importante que la production d'électricité. Et on peut penser à l'hydrogène pour les voitures, qui est pas mal mieux que les voitures électriques, etc. Si ça vous intéresse d'explorer davantage où est le temps passé, ce sujet-là, ben, vous me questionnerez lors de la période de questions. Donc, l'ancien paradigme écologique, là, c'est on limite l'étalement urbain, on préconise le transport en commun, on fait de l'agriculture industrielle centralisée, on optimise la génétique, l'économie reste basée sur la croissance, puis on a aperçu la bonne volonté du consommateur. Bon, puis c'est un modèle qui est très vulnérable aux pandémies. Dans le nouveau paradigme écologique, là, on fait des éco-quartiers. Déjà, le municipal gère les vidanges, apporte l'électricité, en fait, c'est sa compagnie électrique, mais je veux dire, c'est en collaboration avec le municipal, les plans municipaux. On gère les égouts, puis on gère l'aqueduc. Pourquoi est-ce qu'on ne gérerait pas aussi une boucle de glycol qui l'été refroidirait les maisons et l'hiver les réchaufferait? Et évidemment, vous avez deviné que la boucle de glycol serait chauffée ou refroidie avec géothermie, qui est la forme la plus écologique de produire de l'énergie calorifique. Alors, ça, c'est un exemple, OK? Le compostage aussi pourrait être centralisé, ainsi de suite. Bref, on pourrait créer des écoquartiers. On pourrait décentraliser l'agriculture au lieu d'avoir le grand champ là, qui est loin, qui est tellement loin que ça faut. Après ça, un camion qui va transporter la nourriture de là-bas jusqu'ici. Bien là, c'est sûr que si on décentralise l'agriculture, bien, on rapproche. Hein, la distance entre le consommateur et la production diminue. On s'en va vers plus une économie durable, une diversification de la génétique agricole, c'est bien important. Les vaches old steel sur la planète sont à peu près toutes cousines. Fait qu'il suffit qu'il arrive un petit virus qui ne leur fait pas, puis on perd toutes nos vaches d'un coup. Tandis que si vous avez différentes variétés de vaches, bien, le virus qui va arriver va en tuer une variété, il ne les tuera pas toutes. T'sais? On ne met pas toutes nos dans le même panier. Quand vous investissez dans vos REER à la bourse, là, vous ne mettez pas toutes dans le même stock, hein? Vous diversifiez. Bien, il faudrait faire la même chose avec la biologie. Voilà, je vois le temps passer, je passe au prochain chapitre. En fait, avant de sauter dans les trois prochains chapitres, j'ai une petite introduction. Je vais vous parler de constructivisme radical. C'est l'idéologie qui supporte les trois idéologies qui sont traitées dans les prochains chapitres. Les piliers du constructivisme radical, c'est le déni de la biologie. L'objectivité scientifique n'est plus reconnue. Hein? C'est rendu que le remède du chaman est aussi efficace à guérir ton cancer que les oncologues, celui qui ont sorti. On ne reconnaît même plus l'avancement moral de l'Occident face à des sociétés où on force les femmes à être voilées, par exemple. Puis finalement, la nutrition, ben, c'est plus une science médicale, c'est rendu une science politique. Hein? On mange selon nos convictions politiques. Si on pense qu'on peut manger du gazon, on mange du gazon. Chapitre 4, donc la première idéologie qui est issue du constructivisme radical, c'est la théorie critique de la race, autrement dit, l'idéologie woke. Alors, les principes en arrière de l'idéologie woke, je les résume, c'est l'homme blanc, hétérosexuel, est responsable de tous les maux de la société. Donc, en partant, l'idéologie woke est clairement sexiste et raciste. L'idéologie woke noyaute les universités et les médias. J'écoutais Jamila Benhabib ici il y a un mois qui disait que les écoles étaient le cheval de Troie
de l'idéologie islamique pour contaminer la jeunesse puis former des futurs terroristes en France, ben, les woke ont, se sont inspirés des islamistes, ils font pareil. Ils rentrent dans les écoles puis ils contaminent très tôt les esprits, là. Et ce que ça fait que les facultés de sciences humaines perdent progressivement leur rigueur scientifique. C'est rendu qu'on peut écrire, n'importe quoi comme papier, puis ça passe. Récemment, il y a un collègue qui me faisait parvenir un papier, c'est au sujet de trois chercheurs. C'est des faux chercheurs sous de fausses identités qui ont publié des fausses publications. Puis sur 20 publications, ils ont réussi à faire publier 7. Puis ont même été adulés pour… Puis c'est du déconnage total, là, leur public. Je donne un exemple. Il y a un papier qui disait que les garçons à l'école, on devrait leur enlever les pupitres puis les asseoir par terre. Pourquoi? Pourquoi? Bien, parce que pour qu'ils sentent, là, toute l'oppression que leur grand-père et arrière-grand-père a faite sur les femmes puis les minorités raciales, puis tout ça. Donc, pour qu'à leur tour, ils se sentent opprimés là, en étant assis à terre, là. Bon, et puis il y a 20 autres papiers, là. Alors, l'idéologie woke, ça mène à des phrases savoureuses comme celle-ci. La moule frite, c'est le résultat d'une construction mentale associant le mythe phallique du patriarcat oppresseur à la faiblesse de la vulve. Non, sur ce mot-là, le conchilicole, oui, conquise à marée basse. Ah, marée basse. Sans commentaire. Ah, bon, essayez de comprendre. En Ontario, on brûle des livres. Ça ne vous rappelle pas des choses dans l'histoire, ça? Moyen-Âge, christianisme, l'index, l'autodafé. Mais pas n'importe quel livre, là, des livres dangereux. Astérix, Tintin, Lucky Luke. Hé, il faut brûler ça, ces livres-là, c'est épouvantable, là. Et ça, c'est le nouveau visage du féminisme avec la mode woke. Il y a madame ici à gauche, là, Dalida Awada, qui est féministe, qui porte le voile et qui se dit antispéciste. Mais attends une minute là. Musulman veut dire abattage halal, puis t'es antispéciste, trouver l'erreur, puis elle porte le voile, puis elle doit pas regarder ce qui se passe en Iran en ce moment, en tout cas. Et il y a l'autre dame ici, Gabrielle Bouchard, qui est une femme trans, qui a affirmé, avec le plus grand sérieux du monde, qu'on devrait abolir les couples hétérosexuels parce que c'est trop violent. Et même qu'on devrait vasectomiser tous les jeunes hommes à 18 ans. Ah ben, je ne sais pas moi ce qu'on va faire pour se reproduire, mais en tout cas. Et elle était la présidente PDF. D'ailleurs, Andrea et moi... FFQ, excusez, de la bévue que j'ai dit là. Puis surtout, je devrais être au courant parce que André et moi venons d'écrire un article exactement sur ce sujet-là, qui évidemment, le woke devoir n'a pas voulu publier, mais que le Nouvelliste a publié. Ensuite de ça, l'appropriation culturelle, autre phénomène que vous connaissez bien qui est lié à la mode woke. Alors, on a notre bon vieux Robert Lepage qui décide de faire une pièce de théâtre sur les Noirs, l'esclavage des Noirs, puis c'est très bien intentionné comme pièce de théâtre, mais on l'a, excusez l'expression anglaise, on l'a blasté parce que les acteurs n'étaient pas noirs. Et je ne suis pas sûr que toutes les chanteuses d'opéra qui ont chanté Madame Butterfly étaient japonaises non plus, puis ça ne posait pas de problème avant. Puis, il s'est repris avec une pièce de théâtre pour les Amérindiens, même affaire, on l'a blasté parce que les acteurs n'étaient pas Amérindiens. Fait que finalement, la pièce de théâtre, c'est en France qu'a eu lieu. La culture du bannissement, autre sous-produit de la culture woke. Vous connaissez, bien entendu, Nègre blanc d'Amérique. Bien, écoutez, il y a eu combien de journalistes et de professeurs qui ont perdu ou failli perdre leur emploi uniquement pour avoir prononcé le titre de ce livre? Incroyable, vous dites? Et le célèbre roman d'Agatha Christie, son plus célèbre, 10 petits nègres, on l'a rebaptisé. Il s'appelle aujourd'hui « Ils étaient 10 ». Et
Hélas, la mode woke contamine aussi maintenant, pas juste les sciences sociales, mais les sciences appliquées. L'ETS, École de technologie supérieure, École de génie. Il y a une chaire, la chaire Marcel Gauvreau, qui a fait un concours pour octroyer de l'argent qui venait du fédéral à 12 chercheurs. Il y a des critères, comme à chaque fois qu'une université ou fédérale veut donner de l'argent à des chercheurs, il y a des critères, une liste de critères objectifs. Mais, puis évidemment, vous devinez que la qualité des publications est un critère bien important là-dedans, ça va de soi. Mais 40 % des points allaient à des critères EDI. Hein? EDI, c'est équité, diversité, inclusion. Et c'était des dames de sciences humaines qui étaient en charge d'évaluer ce 40 %-là. On dit, noir sur blanc, si vous ne me croyez pas en rentrant chez vous le soir, vous vous connecterez sur l'ETS, c'est publié en ligne, on dit carrément qu'on veut choisir des chercheurs qui ont un sens prononcé de la persévérance. Et on admet d'entrée de jeu que c'est surtout les femmes qui ont de la persévérance. Oh boy! Imaginez-vous la situation inverse, qui aurait dit que c'est les hommes qui ont de la persévérance, seraient accusés de sexisme, mais là, ils ont le droit de dire, je ne suis pas sûr, moi, que les femmes sont plus persévérantes que les hommes, en tout cas, qu'importe. Bref, sur 12 récipiendaires de la bourse, devinez, on est au Québec, on est en génie, une des rares facultés où il y a encore plus d'hommes que de femmes, parce que vous savez qu'en droit, en médecine, il y a une très grande majorité de femmes qui finissent l'école aujourd'hui. Hein? 75 % en médecine, 66 % en droit. Le seul bastion macho qui reste à l'université, c'est l'école de génie. Malgré ça, sur les 12 récipiendaires, il n'y a pas un seul homme blanc qui parle français. On est au Québec. J'ai écrit un article dans le Nouvelliste, parce que j'ai un beau-frère qui est un genre qui est un petit peu woke, puis lui-même, il était victime de ça, puis il m'a encouragé à écrire l'article. Et ça a fait du bruit. Hein? Évidemment, le woke m'a encore censuré, pas le woke, le woke devoir m'a censuré, la presse, le Nouvelliste m'a publié. Et deux jours après, j'ai reçu un appel du doyen de la recherche de l'ETS. Lui, il ne m'appelait pas pour son plaisir, c'est sûr. Hein? Alors, François Gagnon, un cousin sûrement lointain. Alors, on a eu une bonne conversation, mais disons que ça a brassé un peu, puis tant mieux, je suis bien content. Maintenant, il faut amener les gens à réfléchir, là, ça pue l'allure. Prochain chapitre, idéologie du genre. Alors, on va commencer par le mythe. Hein? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Alors, le mythe, vous allez voir, il y a des contradictions. Parce que d'une part, on dit qu'il n'y a pas, rappelez-vous tantôt, dans le radicalisme, dans le constructivisme radical, le déni de la biologie. Bon, appliqué ici, ça donne qu'il n'y a pas de différence physique entre le cerveau d'un homme et d'une femme. Tout est une question de ressenti. La médecine permet désormais de facilement changer de sexe. C'est comme une visite au centre de choc. Et l'attitude des hommes cisgenres est responsable du haut taux de suicide chez les transgenres. Bon, ça, c'est la théorie. Maintenant, la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une confusion entre le genre et le sexe. Le sexe, c'est binaire. Chez l'humain, chez certaines autres espèces, il y a jusqu'à 6 sexes. Mais en tout cas, chez l'humain, c'est binaire. C'est pas parce qu'il existe l'intersexe, là, un truc très très rare qui se produit un dixième de 1 % du temps, que ça veut dire qu'il y a plus que deux sexes. Une anomalie. On ne base pas les règles générales sur des anomalies. Alors, le sexe est binaire, mais le genre, lui, il est probablement binaire, le genre en Iran, puis dans les pays arabes, mais en Amérique du Nord, puis en Occident, le genre n'est pas binaire. Si vous êtes un homme, vous avez le goût de vous promener en jupe, là, ben, vous avez le droit de le faire. Vous avez le goût de vous promener en talons aussi. Bref, on n'a plus grand contrainte de nos jours en Occident d'adopter le genre qu'on veut. Moi, toute ma vie, j'ai cuisiné. Jamais mes blondes qui ont cuisiné. Mais à l'époque de mon grand-père, c'était une tâche que les femmes faisaient. Louis XIV se promenait en talons hauts. Alors aujourd'hui, ça serait jugé féminin.
La couleur bleue qu'on associe aux hommes aujourd'hui, à l'époque, c'était l'inverse. Le bleu est associé aux femmes. Bref, c'est des constructions sociales arbitraires. Je peux comprendre l'Iranienne qui se dit « Hey, moi, ça ne me tente pas là, de finir mes jours en burqa, là. » Puis à torcher les petits à la maison, je suis intelligent, je vais aller à l'école, je vais étudier, je vais faire une carrière, ben je vais changer de sexe. Ça, je peux comprendre ça. Mais en Occident, à moins, bien entendu, qu'il y ait un phénomène qu'on appelle la dysphorie de genre, je ne veux pas nier ça. Nier ça, ça serait transphobe. Je ne veux pas le faire. C'est un phénomène, si je peux le résumer comme suit, c'est finalement une personne qui est née dans le mauvais corps. T'sais? Une femme, une tête de femme qui est née dans un corps d'homme et vice-versa. Mais c'est un phénomène qui est aussi rare que la maladie cœliaque. Hein? C'est moins de 1% de la population. Pourtant, il y a 20% de la population qui achète des aliments sans gluten. Trouvez l'erreur. Et si ça continue comme ça, il y a 20% des adolescentes tantôt qui vont demander une transition de genre. Trouvez l'erreur. Parce qu'on s'entend qu'en l'espace d'une génération, la génétique n'a pas le temps de changer. Là. Ça ne se peut pas là, qu'on soit passé de 1,5% à 20% en dedans d'une génération. Il se passe quelque chose. Là. Peut-être que le problème n'est pas la dysphorie du genre. Peut-être qu'on confond le diagnostic avec un autre diagnostic. On va y revenir. Avant, on va parler d'un phénomène, il y a des différentes gravités, celui n'est pas tellement grave, mais j'en parle quand même. La dame qui est à gauche, c'est Lia Catherine Thomas. C'est une femme transgenre qui était nageur, autrefois nageuse maintenant de compétition toute sa vie. À l'époque qu'elle nageait, qu'elle compétitionnait contre les hommes, elle arrivait au mieux, elle s'est classée 65e. Maintenant, depuis qu'elle compétitionne contre les femmes, bien, elle est arrivée première devant des médaillés olympiques dans cette même discipline-là. Il y était un temps où la CIO avait une règle pour prévenir ce phénomène-là. Elle disait, écoutez, non seulement si vous voulez compétitionner dans l'équipe des femmes, vous devez être opéré, puis en plus, il faut que votre taux de testostérone soit en bas de 10 nanomoles par litre. Mais là, la règle était abolie. Théoriquement, demain matin, moi, je peux décider que je me sens comme une femme, je peux aller compétitionner à l'équipe de boxe, puis me prendre compte des femmes à l'équipe de boxe, puis c'est tout, je suis une femme. Mais il y a plus grave que ça. Il y a plus grave que ça. Il y a des vies qui se détruisent en ce moment. L'ancien boss de ma sœur, qui était chef de police dans une ville des Laurentides, a décidé de faire une transition de genre à 70 ans. Clairement, à cet âge-là, ce n'est pas une crise d'adolescence. Quand je dis que la dysphorie de genre existe, ça existe pour vrai. Mais ça n'explique pas tous les cas en ce moment. Puis en passant, la petite personne est dans la salle aujourd'hui. Ce soir. Alors, il y a un phénomène à l'adolescence là, que vous avez peut-être vécu comme femme ou vous avez connu des jeunes filles à l'époque qui l'ont vécu, c'est que l'adolescence est une période trouble. Hein? On ne grandit pas également. Il arrive que des fois, le corps évolue plus vite que la tête. Il arrive que des jeunes filles ont encore une tête d'enfant, mais dans un corps de femme. Il se produit que pendant une année ou deux ou trois, dépendamment des cas, ils sont mal à l'aise. Ils n'assument pas leur nouvelle forme. Ils n'assument pas que tout à coup, le petit voisin qui jouait au ballon avec eux autres, tout à coup, les regarde comme un morceau de steak. Et ça, c'est amplifié par la pornographie en ligne. Parce que la pauvre jeune fille, que sa tête n'est pas rendue à la même place que son corps, qui regarde ça, c'est franchement dégradant des fois. Elle se dit, ça ne tente pas, moi, d'être un morceau de viande comme ça, là. Autrefois, qu'est-ce qui arrivait? Bien, écoutez, nos jeunes filles portaient des cotons ouatés très amples. Hein? Ça dissimulait leur forme, puis ça passait. Mais là, aujourd'hui, on leur dit, « Ah, mais c'est parce que tu es né dans le mauvais corps. C'est parce qu'en réalité, tu es un homme. » Puis les autres, ils embarquent. Ils embarquent parce qu'ils ont plein d'attention. Puis à l'adolescence, tu auras de l'attention, puis là, on s'occupe de toi, etc. Alors, oui, malheureusement, il y a des diagnostics qui sont confondus avec ce phénomène-là. Un autre phénomène bien simple aussi, il y a des femmes qui sont juste lesbiennes.
puis on leur fait croire qu'ils sont dans le mauvais corps. Ils ne sont pas dans le mauvais corps, ce sont des femmes, mais ils sont lesbiennes. Tu sais, tantôt, je parlais du gluten, là. J'ai dit, il y a 20% des gens qui consomment des aliments sans gluten, mais il y a 0,5% qui est cœliaque. Bien, il y a des gens qui sont intolérants au gluten seulement. Alors, à l'époque, j'avais conçu, à la boulangerie Néo, un pain pour eux, un pain faible en gluten, pour les intolérants. Bien, ma lesbienne est intolérante aux hommes, elle n'a pas besoin de changer de sexe. C'est une confusion de diagnostic. Et il y a aussi une autre confusion, puis ça, ce chiffre-là, c'est pas moi qui l'ai inventé, il est documenté scientifiquement, 35% des femmes, en passant 99% des femmes qui demandent une transition sexuelle, c'est avant l'âge de 20 ans. Puis 35% de ces femmes-là ont des diagnostics d'autisme ou de TDAH. Hey, cherchez pas plus loin, là. Dans ces cas-là, je ne dis pas tous ces cas-là, je ne suis pas en train de dire que la dysphorie du genre n'existe pas. Comprenez-moi bien, puis citez-moi pas hors contexte, je vous en prie, surtout pas dans la société d'aujourd'hui. Là, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'il y a des faux diagnostics. Ce que je dis, c'est qu'on ne reconnaît pas à un adolescent la sagesse nécessaire pour décider de boire de l'alcool avant 18 ans. Mais la décision de changer de sexe, elle est beaucoup plus lourde que de boire de l'alcool. C'est sûr, vous pouvez scraper votre santé avec de l'alcool, mais vous pouvez la scraper encore plus avec une transition de sexe parce que ça amène des problèmes avec les os, ça amène des problèmes d'infertilité, ça amène même des problèmes de quotient intellectuel, etc. La liste est longue, là. Alors, ce qui ferait du sens, là, ça serait de permettre à ces jeunes filles-là, parce que c'est plus fréquent chez les filles que les hommes, de consulter un psychologue, d'entamer une démarche psychologique, psychothérapeutique, pour voir où est vraiment le problème. Et si la conclusion, c'est que c'est la dysphorie de genre, bien, parfait, on procède à transition de sexe. Mais si on se rend compte que c'est un problème passager ou que c'est un problème d'homophobie déguisée ou whatever, parce que dans plusieurs pays en ce moment, dont en Iran, c'est rendu que l'État vous oblige, parce que l'homosexualité est interdite là-bas, est illégale. Alors, vous avez le choix. Vous allez en prison ou vous changez de sexe. Alors, ces États-là islamiques, là, sont pour les changements de sexe au bout, eux autres, là. Parce que ça fit dans leur conception binaire de la sexualité. Fait qu'il y a des intérêts, imaginez-vous, d'intégrisme religieux en dehors de ça. Et il y a aussi des intérêts financiers très importants. L'industrie du changement de sexe, ça représente des milliards de dollars. Alors, il y a des lobbies en arrière qui font pression d'abord sur le gouvernement pour rendre les transitions gratuites. Et ils vont aussi loin que maintenant interdire les psychothérapies. En Ontario, un psychologue essaie de faire une psychothérapie avec sa patiente, juste pour voir si vraiment le changement de sexe est la solution. Il est accusé au criminel en vertu du Bill 77. On n'a même plus le droit de consulter, un psychologue n'a même plus le droit de remettre en question l'autodiagnostic que l'adolescente fait pour changer de sexe. Pourquoi? Parce qu'il y a des lobbies en arrière financiers qui mettent l'argent. Parce qu'eux autres, il y a une pièce à faire. Mais c'est triste. C'est triste parce que on milite pour une bonne cause, mais en réalité, on se rend compte qu'en arrière de la bonne cause, il y a des intérêts financiers. Dernier chapitre. Alors, on parlait de déni de la biologie plus tôt. Alors, voilà un beau déni de la biologie. Parce que selon les woke, on peut choisir d'être obèse, c'est un choix personnel, ça n'a aucune incidence sur la santé. Ben voyons, c'est faux. On peut remettre en question la notion d'esthétisme, parce que l'esthétisme, c'est subjectif. T'sais. Bon, s'il y en a des gens qui aiment ça, les personnes obèses, ben tant mieux. Mais il y a une chose qui reste objective, c'est que l'obésité est une maladie, puis ça cause plein de problèmes de santé, puis on l'a vu pendant la pandémie. Le taux de décès chez les personnes obèses était beaucoup plus élevé que dans la population générale. Et
Tu as des revues comme Cosmopolitan, évidemment, pour faire de l'argent. Les personnes complexées qui voient ça, les gens dans la vie n'aiment pas se faire confronter, ils aiment se faire conforter. La personne qui a un problème de surpoids voit une revue qui lui dit que c'est correct, bien, elle l'achète, la revue. Cherchez pas de midi à 14h, c'est quoi motivation cosmopolitaine, là? C'est pas la bonne cause, là. C'est le signe de pièce, point à la ligne. Même chose avec le véganisme. Ça, c'est une manifestation de vegan. Hein. Même principe ici. Il y a des industries qui ont intérêt à ce que le véganisme arrive, qu'on arrête de consommer de la viande. Parce que si vous faites de l'agriculture traditionnelle, là, un petit pays, un petit coin reculé du Vietnam, il peut être autonome au niveau alimentaire. Hein. Il élève ses bœufs, il utilise le fumier pour nourrir ses plantes. Les vaches broutent l'herbe, on n'a pas besoin de mettre des désherbants, etc. T'sais, la planète fonctionnait, l'agriculture fonctionnait avant que Monsanto arrive. Là. Mais là, maintenant, avec le nouveau paradigme de monoculture et d'agronomie, d'agriculture industrielle, ça prend des produits chimiques, ça prend des pesticides. Évidemment, s'il n'y a plus de bétail, il n'y a plus de fumier, s'il n'y a plus de fumier, ça prend des engrais chimiques. Ça prend des pesticides, etc. Parce qu'on remarque que quand on fait une monoculture, on est beaucoup plus vulnérable à la peste. Donc, ça prend plus de pesticides. Bref, encore une fois, il y a des lobbies financiers qui financent les militants végans. Les militants végans, lui, je sais qu'il croit à sa cause et il est de bonne foi, mais il ne réalise pas qu'il est la marionnette d'un lobby financier en arrière. La théorie du véganisme, si je la résume, c'est qui peut être contre ça, hein? Moins de ressources sont requises pour nourrir les humains, c'est meilleur pour la santé, ça évite la souffrance animale, puis c'est plus écologique. On ne veut pas être contre la vertu, n'est-ce pas? Mais la réalité est un peu différente. C'est du déni de la biologie. Il y a une chose dans la nature, vous remarquerez. Plus on est intelligent, moins on digère. Moins on digère bien, hein? Une vache a quatre estomacs. Ça ne se casse pas la tête pour se nourrir, là. Elle n'est pas obligée de concocter des plans de chasse compliqués, des stratégies pour attraper des proies. Elle mange le gazon. Mais un prédateur ne peut pas manger du gazon. Il va tomber malade, il va mourir. Un prédateur doit penser à des stratégies pour attraper la proie. Qui dit stratégie dit intelligence. Alors, quand vous regardez la pyramide alimentaire, chaque espèce dépend de l'espèce en dessous, et ainsi de suite. C'est la pyramide. Plus vous êtes proche du sommet de la pyramide, moins on digère bien, mais plus on est intelligent. Bien, l'être humain fait partie des prédateurs, qu'on le veuille pas. Et une réalité qu'on voit nulle part, c'est que on peut se débrouiller avec le végétarisme. Quelqu'un qui connaît bien la nutrition peut finir par s'alimenter convenablement, mais il est impossible de s'alimenter convenablement avec le végétalisme. Parce que, il y a plusieurs raisons, j'en nomme une. L'acide oméga 3, l'acide gras oméga 3, ADH et AEP, en particulier ADH, docoexaionique, c'est une matière première essentielle pour le cerveau, qu'on ne retrouve dans aucune plante. Le végétarien va vous répondre, « Ah oui, moi, je mange des graines de lin. » Non, non. Graines de lin, là, c'est de l'ALA. Acide linoléique alpha, 18 atomes de carbone. L'ADH a 22 atomes de carbone. Ta poule, elle mange des graines de lin, puis elle fait des œufs oméga 3 que tu achètes à l'épicerie après. Parce que la poule, rappelez-vous, moins c'est intelligent, plus ça digère bien. Une poule est capable de prendre l'acide ALA, puis de faire de l'ADH avec. Puis après ça, nous autres, les prédateurs, on mange l'œuf. Mais l'être humain, certains êtres humains réussissent à bien s'en tirer, mais il y en a qui ne s'en tirent pas bien du tout. On voit ça dans certaines familles, des enfants qui rentrent à l'hôpital parce que leurs parents leur imposent le végétalisme. C'est vraiment triste. Alors, vous voyez qu'il y a une divergence majeure entre la théorie du végétalisme et la pratique. On dit aussi que le végétalisme épargne la souffrance animale. Mais attention, là, la souffrance animale, de quel animal?
de l'animal d'élevage. C'est l'animal qui est dans la forêt, lui, à part pour les chasseurs, là, mais disons, la chasse nourrit pas une grosse partie de la population. Là. Alors, on épargne la souffrance de l'animal d'élevage, excusez. Sauf qu'il faut bien comprendre que si tout le monde devient végan, il n'y aura plus d'animaux d'élevage. Bien oui, sûr, il n'y aura pas de souffrance, mais il n'y aura plus d'animaux non plus. Si on vous donnait le choix, vous, vous mourrez de suite ou ben non, vous acceptez de vivre, puis il va y avoir des souffrances. Alors, la vraie question, si on veut éviter la souffrance animale, peut-être qu'on devrait se pencher sur la façon qu'on élève les animaux d'élevage. Là, il y a un débat éthique intéressant. Là, peut-être qu'on devrait payer notre tranche de steak un petit peu plus cher pour s'assurer que les vaches peuvent aller dans le champ brouter de l'herbe au lieu d'être enfermées 24 heures sur 24 en dedans. Ça, c'est un débat éthique intéressant. Mais moi, si vous me donnez le choix, puis la vie n'est pas rose pour personne, même les êtres humains, à part ceux qui décident de se suicider, on a tous fait le choix de vivre malgré les aléas de la vie. Bien, laissons ce choix-là, ces animaux-là aussi. Puis si on les élève bien, et si on les abat pas de manière halal, évidemment, là, qui est une façon barbare de tuer les animaux, bien, ils vont mourir sans s'en rendre compte. Puis honnêtement, c'est pas mal plus humain que de la façon que les humains meurent dans les hôpitaux de ce temps-ci, parce que nous, on agonise longtemps à l'hôpital. Moi, les animaux, ça se passe vite, ils sentent rien. Bref, j'avais dit au début que je vous parlerais du dénominateur commun. Là, ben, je suis rendu là, je suis rendu à la conclusion. C'est quoi le dénominateur commun? J'ai parlé de 6 sujets, là. C'est quoi le rapport entre les 6 sujets? Bien, c'est l'aberration. Il y a ces 6 sujets-là, on sent en commun. C'est aberrant. Du chapitre 1 à chapitre 6, c'est aberrant. Non seulement on fait du déni de la biologie, mais on sombre dans l'aberration. Vous raconteriez ça à quelqu'un, mettons, on aurait une machine à voyager dans le temps, vous rencontreriez des gens des années 70, vous leur raconteriez qu'est-ce qui se passe en ce moment, ils ne vous croiraient pas. Ils vous diraient, non, tu es en train de me raconter un mauvais film de science-fiction. Là. Mais c'est ça qui se passe. On vit dans un mauvais film de science-fiction en ce moment. Puis les réseaux sociaux font rien pour aider les affaires. J'ai dit tantôt, l'être humain aime mieux se faire conforter que se faire confronter. Les réseaux sociaux, vous savez comment ça marche au clic. Alors, quelqu'un est bien plus susceptible de cliquer sur un sujet qui l'intéresse, un sujet qui le conforte, qu'un sujet qui le confronte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les réseaux sociaux font de façon naturelle? Ils présentent toujours des sujets en accordance avec ce que vous pensez déjà. Et ça, ça a comme phénomène de polariser les opinions. Le centre de l'échiquier politique n'a jamais été aussi vide. Parce que les gens se polarisent. Et la gauche provoque la droite et vice-versa. On a fait 2-3 voyages récemment, ma copine et moi aux États-Unis, on a été dans le Bible Belt pour faire de l'escalade. On a rencontré des gens sympathiques, mais avec leur casquette Trump. Puis quand ils écoutent parler au fond, eux autres, là, quand ils voient Barbada déguisé en fait des étoiles, ils se disent « Non, 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 je ne veux pas aller là. » Je vais voter à droite pour être sûr que ce parti-là ne soit pas élu. Mais il oublie une chose, que quand il vote à droite, il vote contre l'avortement aussi. Et c'est comme ça que notre société est en train de se polariser, parce qu'on réagit. Ce serait peut-être temps, à un moment donné, qu'on réalise ça, puis qu'on se recentre un peu, là, tu sais. Et, encore une fois, il y a des lobbies financiers en arrière de tout ça. Il y a des lobbies financiers qui supportent les inepties, on l'a vu. Le véganisme, on l'a vu pour les opérations de changement de sexe. Et les lobbies financiers, évidemment, ben, ils sont motivés pas par l'évolution de l'humanité, mais par leur profit. Donc, mon livre n'est pas juste négatif. À la fin, j'arrive avec des recommandations concrètes. Ce n'est pas tout chialer. Il faut arriver avec des idées aussi. Alors, voici mes idées. La première idée, vous la connaissez déjà, la loi sur la laïcité, la loi 21 au Québec. Le conspirationnisme doit être reconnu pour ce que c'est une maladie mentale. Il faut taxer le coût environnemental, donc la taxe sur le carbone va régler les problèmes de pollution. Il faut cesser toute discrimination raciale ou sexuelle. On ne peut pas dire que parce que autrefois les Amérindiens ont été discriminés pour obtenir un poste, aujourd'hui on va discriminer à compétence égale, même à compétence inférieure, on va permettre à un Amérindien de ravir un poste qu'un Blanc serait plus compétent d'avoir.
C'est pas en créant une injustice aujourd'hui qu'on guérit une injustice d'autrefois. Ça ne marche pas de même. S'il y a une leçon qu'on devrait bien apprendre, c'est de ne pas reproduire les erreurs du passé. Ne pas reproduire les erreurs du passé, c'est éliminer la discrimination, positive ou négative. Ce qui est fait, est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Il y a des populations racisées qui ont souffert. On ne peut pas changer l'histoire. Et encore faut-il la connaître. Ce n'est pas en brûlant des livres d'histoire qu'on va apprendre notre histoire, n'est-ce pas? Avec les héros ne veulent pas la savoir, leur histoire. Ils brûlent les livres. Bref, reproduisons pas les erreurs du passé. Il faut clairement interdire les chirurgies de conversion sexuelle avant l'âge de 21 ans. Moi, j'estime qu'avant l'âge de 21 ans, une personne n'est pas prête à prendre une décision aussi importante. Après ça, je ne dis pas qu'à l'âge de 21, il n'y aura pas d'erreur, mais la portion d'erreur va être beaucoup, beaucoup plus petite. T'sais, on va peut-être avoir une personne sur 100 qui va regretter sa conversion, tandis qu'à l'heure actuelle, le taux de regret est très élevé, puis s'en va en flèche en augmentant. Il y a même des gens maintenant qui poursuivent le gouvernement, parce que le gouvernement a payé pour leur transition sexuelle, puis notamment en Angleterre, une jeune fille qui a poursuivi le gouvernement anglais en disant « Mais j'étais une adolescente, pourquoi vous m'avez cru? C'était vous les adultes, là. Vous m'avez embarqué là-dedans. J'avais juste besoin d'une petite thérapie, là. J'avais le droit d'avoir une crise d'adolescence. On a tous eu des crises d'adolescence. Bon, à des degrés différents, ça, j'entends bien, mais quelqu'un a le droit de faire une crise d'adolescence. Mais il ne faut pas la livrer aux capitalistes en arrière qui veulent faire une pièce avec elle dans sa conversion sexuelle. Puis finalement, informer la population des dangers de l'obésité, du végétalisme. Puis une dernière anecdote à ce sujet-là. Vous savez, je vous disais tantôt, là, l'acide ADH, là, que ça prend ça pour le cerveau. Là. Moi, j'ai écrit nombre d'articles dans les journaux. Ils ont tous été barrés. Pourtant, dans mes trois livres, je parle du végétalisme dans mes trois livres. Je cite, ils sont là, mes références scientifiques sont là, là. Ça ne sort pas d'une boîte de Cracker Jack, là. Ça sort des universités sérieuses. Là. La preuve est faite que le végétalisme détériore les capacités cognitives, mais on ne le lit jamais dans les journaux. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un essaye de publier ça, il se fait barrer, parce que lobby woke veille au grain, filtre tout. L'épilogue. Eh bien, on a un choix devant nous qui est illustré par ma page couverture. À gauche, c'est le wokiste. À droite, c'est l'extrême droite. Il faut garder... on est dans un bolide là, puis ça, qui va de plus en plus vite sur l'autoroute de l'évolution. Là, puis il faut garder le volant bien au centre de la chaussée parce que si on prend le champ à droite, là, pernicieux là, comme effet, mais wokiste, c'est que... on est contre ce qui a permis à l'humanité d'évoluer jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire encourager la performance, récompenser le mérite. On est rendu au point de dire, non, ton remède de chaman est aussi efficace que la recherche en oncologie. Bien, c'est, si on adopte cette mentalité-là, c'est bien de valeur, là. Mais l'évolution là, qu'on a vécue au cours des siècles derniers, bien, va revirer de bord assez vite. Et ça va être l'échec, d'une manière ou d'une autre, de notre société. Je vous rappelle, pour ceux qui n'en ont pas déjà profité, il y a un prix spécial ce soir seulement, 5 $, c'est le prix d'impression pour mes livres. Je vous considère comme des ambassadeurs idéologiques. La seule chose que je vous demande, si vous lisez le livre et vous l'aimez, en parlez-en sur vos réseaux sociaux. C'est ce que ça me coûte pour les faire imprimer. Je vous les vends au coûtant. Et puis, c'est à soir que je le fais, puis je ne le referai plus non plus. Profitez-en.